never answer something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am and I've been. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. J'ai attendu trop longtemps pour le faire, comme d'habitude. Bilan, mon sac des gueules. Voilà. Il y a un petit sac poubelle près de moi pour transvaser en allant. Je suis pas la seule à mettre dans le sac, donc il va sûrement y avoir des redondances par rapport aux dernières vidéos. Mais bon, comme il y a des nouveaux sur la chaîne, je me dis que ça peut quand même servir à quelqu'un. J'ai toujours ma petite application Yuka à côté de moi. Donc, je vais essayer d'aller quand même relativement vite parce que, bah, voilà, comme je vous ai dit, le sac est plein. Donc, Doudou a terminé un Sanex, un gel douche Sanex en format XXL. J'ai dû trouver ça à Action, je ne sais quoi. 72 sur 100, je ne sais pas si vous allez voir. 72 sur 100, donc il est bon. Voilà, et je préfère acheter des grands contenants pour éviter d'avoir en acheter trop souvent. Donc, voilà. Donc là, c'est le dermo naturel, c'est la première fois qu'il le testait et il m'a rien dit de particulier, donc c'est que ça lui convient. Normalement c'est pour les peaux sèches, donc si je le retrouve je pourrais le reprendre parce que le format est quand même intéressant et ça lui change un peu de ce que je prends habituellement. Je prends le bleu et le bleu vert là, le turquoise. Donc oui, ça je pourrais racheter, donc à prendre à Action. J'ai pas terminé, mais j'ai jeté mon huile de massage vergeture, donc la Velleda avec pompe, le truc hyper gras au possible. 51 sur 100, vous allez pas voir à chaque fois, 51 sur 100, croyez-moi, je vous le dis. Donc ça, c'était pour la grossesse de Jade. Et cette fois-ci, j'ai eu des vergetures, j'ai craqué de partout, voilà, malgré les crèmes, même si, voilà, j'étais moins. J'avais moins le temps, hein, clairement, j'avais déjà un enfant, donc. Voilà. Et avec elle, de toute façon, j'étouffais. Donc non, je vous la conseille pas forcément. Je préférais la Bee Oil. Et voilà. Donc, je rachèterai pas, hein, de toute manière. C'était les derniers. Hein, voilà. Après, est-ce que pour la réduction des vergetures, j'ai pas réutilisé après. Hein. Ça fait trop longtemps que c'est ouvert, j'y touche plus. Donc non, je rachèterai pas ça, mais je préfère mettre de la Bee Oil. On a terminé un signal protection carré qui est médiocre, 43 sur 100. Voilà, donc c'était pour changer un coup parce que je fais plus forcément mes courses toujours au même endroit parce que je les fais quand je peux. Voilà, donc là je devais les faire inter et bilan, j'ai pris ça et vous voyez, c'est du caca. Donc non, je reprendrai pas celui-ci. Voilà. À Action, je m'étais prise cette petite brosse, voilà, pour nettoyer ma peau sous la douche en fait. Parce que je ne trouvais plus d'éponge Conjac. Je n'en ai toujours pas retrouvé. Donc là j'ai vu au doigt, à la main. Hein. Mais voilà, je trouve pas ça très hygiénique. Voilà. Voilà. Ça reste sous la douche. Je sais pas. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème Diadermine. Donc, je l'avais prise parce que c'était la mieux notée, voilà, du rayon. Donc, c'est la Lift Algo Rétinol. Et comment vous dire que je n'ai pas aimé l'odeur. J'ai pas trouvé de différence. Ma peau n'était pas hydratée ou quoi que ce soit. Donc, non, je rachèterai pas. Bah, voilà. Je sais pas. J'ai pas aimé ma peau avec. Bon, comme d'habitude, hein, les M&M, ça on va en manger plusieurs, je pense, 50 sur 100, voilà. C'est pas top, mais il les adore, donc il n'y a que ça pour lui, donc voilà. On a du noir, on a du vert, on aura peut-être sûrement du bleu, enfin voilà. Ensuite, on n'a pas encore terminé, c'est bientôt, donc je vous le mets maintenant, comme ça sera fait. Dentifrice de chez Lidl, donc le bio. Dentifrice blancheur, goût menthe,
Je trouve que ça mousse pas. Ça mousse pas. Voilà. Donc, niveau compo, il est top. Par contre, voilà, l'utiliser tous les jours, je peux pas, j'y arrive pas parce que j'ai vraiment pas l'impression que mes dents sont lavées avec, que ça ne mousse pas. Voilà, mais bon, c'est psychologique, hein, mais voilà. Donc, j'en ai un autre en stock, mais c'est pas celui-là, mais c'est l'autre de la gamme. Donc, et je vais pas plus forcément aller là faire mes courses non plus. Donc, est-ce que je rachèterai? Peut-être quand, je sais pas. Vous voyez, la compo est bonne. Un autre dentifrice que l'on a terminé, le Sanogil renforce et blancheur. Celui-ci, il est à 79 sur 100. Donc pourquoi pas prendre celui-ci au lieu de prendre du Signal merdouille là, quand je fais mes courses inter. Il faut juste que j'y pense. Mais oui, celui-là, il est t'es pas trop mal. Donc ça, je pourrais racheter. Pour les enfants, on a fini un Corinne de Farm. Donc là, c'était le Vaiana, mais bon, ils sentent à peu près tous la même chose. Hein. Et 86 sur 100. Mais je trouve pas que ça sente suffisamment fort. Je m'en sers plus pour faire un bain moussant, clairement. Donc, est-ce que je rachèterai? Non, parce que je pense que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Voilà. Même si, voilà, la compo est quand même intéressante. Hop. Ensuite, bah, celui-ci, je vous l'avais montré, je vous avais montré juste le tube, il me semble, la dernière fois. Donc, c'est le sérum anti-ride Lift Végétal Actif de Diadermine. Donc, pareil, j'avais pris parce que c'était une très bonne compo, 93 sur 100, mais je n'ai pas trouvé de différence. Et on ne voit pas à travers du tube, ce qui est vraiment relou parce qu'on ne sait jamais où on en est. Donc, si vous n'avez pas de backup, bah, voilà, vous vous retrouvez sans rien. Et j'aimerais bien trouver un sérum où je vois une différence, où je sens ma peau un peu plus tendue, enfin mieux quoi, parce que là, voilà, pour moi il n'y avait pas de différence et non quoi. Donc non, je pense pas que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un shampoing solide de chez Aroma Zone et je pense pas que ça marche sur. Ah si, 72 sur 100 sur Yuka. Et comment vous dire que oui, il sent bon, mais c'est du caca. J'avais les cheveux emmêlés au possible et il était pas solide, solide. Pour moi, il était plus mou qu'autre chose. Voilà, il redurcissait pas, enfin, il se consommait super vite. Donc non, j'ai pas kiffé. Franchement, je n'ai pas kiffé. Et oui, mes cheveux étaient ternes, Non, donc non, je ne reprendrai pas les shampoings sur Amazon. Action, j'avais pris ça, le Happy Bubbles Air Body and Face Wash. Ça sentait le bonbon. 79 sur 100, donc vous voyez, la compo est pas si dégueulasse que ça. Et oui, je préfère sentir celui-ci que le Corinne de Farm. Donc je verrai, peut-être que je reprendrai un petit comme ça, mais voilà, pour leur faire des bains moussants, j'aime bien. Ensuite, on a terminé un autre dentifrice, on se lave beaucoup les dents. Celui-ci, mon dieu, 38 sur 100, donc non, c'est de la merdouille, et il est fort en bouche, et je suis pas fan des Colgate en vrai. Donc non, là c'était une promo en plus, j'en avais eu plusieurs, donc... Je ne rachèterai pas celui-ci. Signal Fraise Gaga, ça c'est le dentifrice de Liam. 93 sur 100. Il supporte que les dentifrices à la fraise. Donc, mais bon, je crois qu'il n'est pas vide vide celui-ci. Mais il l'a laissé ouvert un temps et je préfère pas. Hein, voilà. Donc oui, ça je rachète à chaque fois. C'est soit celui-ci, soit le fraise de chez Aldi. Mais le fraise de chez Aldi, c'est que pour les dents de lait, je crois. Et là, il a deux vraies dents maintenant, donc voilà. Ensuite, à Aldi, le gel douche Biocura, 31 sur 100, voilà. Mais celui-ci, il l'adore. Pas forcément, il sent super bon. Mais voilà. Pareil, plus pour le faire de la mousse que pour les laver. Pour les laver, j'utilise soit mon savon en loose day, il le voit pas trop. Où j'ai un gros bidon de Cadum là, je crois, en ce moment.
Enfin bref. Donc oui, je pourrais être amenée à en racheter quand même de celui-ci. Ensuite, voilà, on a eu... J'ai eu des petits problèmes de peau ou autre, donc j'avais besoin de, ouais, de cicalfate. Mais elle, c'est de la merdouille, 33 sur 100, voilà. Mais bon, ça répare bien, ça marche bien. Mais bon, faut pas en abuser. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le cils des masques. C'est la lotion fraîcheur. Attention, ne vous faites pas avoir. Moi, c'est souvent que je me fais avoir quand vous achetez les promos, machin. Parce que c'est pas ouf pour démaquiller la lotion. Je préfère le biphasé, hein, mais ça reste de la merde. Hein. 45 sur 100. Donc, à éviter. Voilà. Maintenant, je me démaquille à l'eau avec les cotons verts de chez Action. Pas coton, non, mais le linge. Ben, j'en ai pas sous la main, mais... Mais j'utilise plus que ça pour me démaquiller maintenant. Donc voilà, celui qu'ils utilisent. Vous voyez, c'est du... Ah, celui-là, c'est 0,6 ans. Celui que j'ai pris, il fait plus. Il fait pas jusqu'à 6 ans, le dernier que j'ai pris. Il faudrait que je fasse gaffe la prochaine fois. Ou ils ont changé la recette. Mais, ouais, 39 sur 100, c'est de la merdouille. Hein. Il y a du fluor et tout. Et c'est pas trop bon d'en abuser. Et vu qu'ils ont tendance à le manger, les gosses, voilà. Donc voilà. Si j'arrive à en trouver un bon qu'il aime, parce que j'avais déjà essayé des bio et il aime pas du tout, et voilà, j'ai essayé le tutti frutti, il aime pas, enfin la menthe il veut pas, il casse pied, donc ouais, c'est compliqué. J'ai terminé une crème de jour de chez Lidl 100% à la aloe vera. Je m'avais pris un en backup, donc je l'utilise actuellement et j'aime bien l'utiliser. Ma peau le tolère très bien. Je sens que ma peau est mieux hydratée avec ça que la crème de chez Jadermine. Hein, voilà. Donc voilà, ça je pense que j'irai refaire de temps en temps des backups parce que je l'aime bien et le format est pas forcément. Voilà, il est pas grand hein, par rapport à ma main, donc voilà. Donc ça, oui. Je vous le recommande. Ensuite, Doudou a terminé un shampoing que j'avais pris, voilà, parce qu'il avait besoin de shampoing. Waouh, 19 sur 100. Voilà, Elsève, avec, parce qu'il y avait de la gratuité et tout. Mais ça aurait été plus pour moi en fait. Hein. Mais bon, moi j'utilise plus de shampoing merdouille comme ça. Mais voilà, non, je rachèterai pas. Non. De la poudre aux yeux. On m'en fout, moi. Encore un Sanex. Alors 69 sur 100, donc voilà, c'est celui que j'achète habituellement, donc voilà, ça je rachète facilement. Le format est intéressant, ça sent bon et la compo est bonne. J'ai terminé un shampoing solide thé vert matcha. Est-ce que... Ah oui, ils sont dessus. Thé vert matcha de la marque Linaya. Maintenant mes shampoings depuis, ça va bientôt faire un an je pense, je n'utilise plus que ça, les produits de chez Linaya, après shampoing, pour les enfants pareil, et mon homme y est passé aussi, voilà, donc, et je vais essayer de prochainement tester le reste de la gamme, qu'elle a grandi sa gamme progressivement, donc je vais tenter de prendre d'autres produits prochainement, et les Damien, donc voilà. Et c'est des produits très très bons. Donc là, 72 sur 100. Et c'est du vrai shampoing solide. Voilà, vous le gardez pendant très longtemps. Et voilà, vous avez la possibilité de mettre un aimant au dos. Et voilà, moi, ils sont fixés dans ma douche. Et ça fonctionne vraiment bien. Ils moussent bien. Vous n'avez pas besoin d'en avoir une tonne. Voilà. Et je pourrais espacer plus mes shampoings, mais il faudrait que je me les attache quand même, parce que moi, si je les attache pas forcément, c'est, puis moi, ils s'en mêlent très très vite, donc j'ai plus facilité à me les relaver le lendemain matin pour avoir une crinière potable, mais bon voilà, mais je vous recommande vraiment beaucoup les produits de chez Linaya. Voilà,
Savon que j'avais eu à Action, celui-ci. Donc c'est le charcoal vegan soap. Ah, hein, c'est vegan, face and body. Je l'utilisais, j'ai essayé pour le visage, mais j'ai pas aimé. Du coup, je l'ai fini sur le body. Et voilà, 20 sur 100, donc c'est de la merde. Donc n'achetez pas ça. Voilà. Ensuite, ah bah, le dentifrice qu'on utilise habituellement, donc le Viofluor, celui de chez Aldi. Ah bah là, il ne sait pas le noter, celui-ci. Il ne sait pas le noter. Bon. Bah, ils ont dû changer le code barre ou je sais pas quoi, parce qu'avant, je ne sais pas si c'était celui-là ou l'autre, mais il était super, il était très bien noté, donc voilà. Et il fonctionne très bien, il détache bien la plaque dentaire, donc voilà, ça je rachète. J'en ai acheté un ce matin d'ailleurs. Voilà, le bubble gum. 3-6 ans, mon fils ne l'aime pas, voilà. Donc bah, il est quasi neuf, hein, voilà. Comment ça se fait qu'il m'a acheté ses brosses à dents là-dedans, lui? Les brosses à dents Pokémon, hein, voilà. Pour les enfants, on se fait avoir un niveau de packaging. Revoilà encore un fraise gaga. Oh. Deux Menen. Ça fait un moment hein, que j'ai pas fait de vidéo. Je jette, parce que ça fait trop longtemps qu'elle est ouverte, et je pense pas hydrater ma fille, elle supporte pas de toute façon à la sortie de la douche, c'est limite si je peux lui couper ses ongles, donc voilà. Et 93 sur 100, pourtant voilà, elle est bien notée, et voilà, elle sent bon, mais voilà. J'arrive pas à l'hydrater, à la machin. La toilette du chat le matin, on n'en parle même pas, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de les préparer avant... avant l'école ou la crèche. Alors, un soin des lèvres de chez Leno. Il est neuf, mais comment vous dire? Alors, il est 100%, hein, mais je sais pas si j'en ai acheté un daubé ou pas, mais c'est un calvaire. Appliquer ça sur ses lèvres, c'est un calvaire. J'ai l'impression de me mettre de la graisse de saucisson, je ne sais pas, mais ça a une odeur de graisse d'animal. C'est horrible. Donc je sais pas s'il était éventé ou quoi, mais je peux pas utiliser ça, c'est une horreur. Donc je jette et je ne je rachèterai pas parce que voilà. J'ai pas envie de retenter l'expérience. Mais juste infâme. J'ai terminé un. Est-ce qu'il va y arriver? C'est quoi? C'est un déo, un antitranspirant, 48 heures, Active Control, Sanex, 45 sur 100, donc c'est de la daube, et voilà, ça marche pas, voilà. Donc non, je ne rachèterai pas. Ah, encore un. Ensuite, je jette parce que ça fait trop longtemps que c'est ouvert, et je pense pas que ce soit bon. 33 sur 100, voilà. Oui, ça se garde 12 mois normalement. Voilà, donc c'est le Bêtise Nature, donc 92% d'aloe vera. Pour le corps, le visage et les mains. Mais voilà, je voulais l'utiliser pour mes cheveux à la base. Mais et je vois que la note est pourrie. Donc voilà. Et je pense que ça doit faire dégorger le henné en plus. Donc je suis pas. Donc non, je cherche encore quoi mettre sur mes cheveux pour les hydrater sans abîmer mon henné. Voilà. Que je dois refaire là, mais ensuite savon 83 sur 100. Bah, j'utilise que ça pour me laver, c'est les meilleurs. Il y en aura peut-être d'autres, mais voilà, je reviens toujours à ceux-là. Donc les Bio Cura chez Aldi, voilà, 83 sur 100, ça coûte 60 centimes. Je vois où ça a peut-être augmenté depuis, mais voilà. Je rachète. Ah, désolé, encore un. Ouais, le noir, c'est le préféré. J'ai terminé un gel lavant 79 sur 100. Je voulais passer qu'avec celui-ci en fait, mais mes enfants ont eu un souci et je sais plus quoi.
Mon fils m'a fait une éruption cutanée et ma fille m'a fait quelque chose aussi, je crois. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. Pourtant j'aimais bien le flacon, le format et tout, mais voilà. Ah, puis il n'y a pas d'odeur. C'est ça aussi qui me dérangeait, c'est que ça sent pas. Ça sent pas forcément assez fort. Pour moi, j'aime bien quand mes enfants ils sont bons. Donc je jette le Nature Box après shampoing, voilà, 86 sur 100, mais ça ne répare rien, ça ne démêle pas, j'ai pas compris le truc. Voilà, donc je préfère le jeter parce que c'est une horreur à appliquer sur les cheveux. Voilà. Ensuite, la crème neutre désaltérante de chez Aromazone, 93 sur 100, vous voyez, elle est pas finie, mais je pense que c'est ce qu'elle a, voilà, elle avait tourné, et je trouvais pas que ma peau, n'était pas assez hydratée avec, donc non. Pareil, du coup, le sérum concentré, là il a changé de couleur, je vous raconte même pas quoi. Depuis le temps qu'il est là-dedans, 100% excellent, mais pareil, j'ai pas trouvé de différence à avant ou après ça, mettre ça. Donc, non, mais je sais pas si je vais pas garder la pipette pour pouvoir hydrater mes aquarelles. Je pense que je vais faire ça. Je m'étais préparé un café. Voilà. À chaque fois, je me prépare un café, je le laisse de côté. C'est ouf. Au final, je finis toujours par le boire froid. Ah bah ça c'est... Ah non, lotion capillaire cette fois-ci. Ah mais j'ai pas la boîte. J'ai pas la boîte. Bah j'ai pas le code barre alors. Mais c'est de chez Velleda. Voilà. Ralentit la chute des cheveux, machin, stimule machin. Je suis une flemmarde. Donc j'arrive pas à être... comment on dit ? Ah je vais pas trouver le mot. Ah, ça commence par un R, non? Aidez-moi là, aidez-moi. Régulière, j'arrive pas à être régulière. Donc voilà, au final, bah, le truc il se périme avant que je l'ai fini, quoi. Donc, et puis si vous n'êtes pas régulière, bah, les effets, ils se voyaient pas, quoi. J'avais essayé les gummies aussi, d'ailleurs, elles sont toujours là, elles sont pas finies. Les gummies de chez Good Air, voilà. Mais je suis pas régulière, ça a marché peut-être... on va dire peut-être un mois. Un mois, j'ai réussi à les prendre tous les jours, tout ça. Et puis après, bah. Donc j'ai payé dans le vent parce que bah je suis pas régulière. J'y arrive pas, c'est compliqué. Je réessayerai peut-être plus tard quand on aura déménagé. Et il faut que je me le mette sur mon bureau, je pense. Et que je le prenne le soir en même temps que ma pilule. Ou peut-être que. Hein, je dis peut-être. Hein. Donc. Ensuite, j'ai terminé gel lavant, 50 sur 100. Bon, c'est ce que je mets dans ma cuisine, en fait. Et des fois, dans ma salle de bain, quand j'ai pas un autre truc qui fait du bruit, style les schtroumpfs en ce moment, alors que la pile est flinguée. Mais j'ai encore la moitié de produit, donc c'est sympathique. Mais enfin, bon, bref. Donc oui, ça, je peux racheter, clairement. Mais je les achète à Action. Ah oui, oh là là, je suis en train de le terminer, mais donc il reconnaît pas, ça s'est acheté sur Amazon, c'est un lot de deux, donc des savons au lait de chèvre, beurre de karité bio, voilà, donc vous avez un lot de deux, j'ai voulu me laver le corps avec, mais j'ai pas aimé, j'avais de nouveau cette sensation de grattage, j'avais besoin de me gratter, donc je me suis dit non, c'était pour le visage, hein. Donc le visage ça marchait pas, j'ai essayé le corps ça marchait pas, et du coup bah je le finis pour me laver les mains ou pour détacher les vêtements. Voilà. Donc non, je ne rachèterai pas. J'aime pas. J'ai terminé, ça c'est le mien, voilà, celui-là je l'adore, il n'y a que celui-ci qui fonctionne plutôt bien avec moi, mais bon 29 sur 100 donc ça me fait suer. Mais voilà, c'est le seul qui fonctionne à peu près avec moi. Donc le Narta Invisible 48 heures. Voilà.
pourquoi il est... Je l'ai pas jeté? J'en avais un deuxième? Je comprends pas, là. Je comprends pas. J'en avais deux? On va pas comprendre. Je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. C'est son lien que j'ai retrouvé de ma première grossesse et que j'avais déjà pas utilisé? Je sais pas. Je vais voir au montage ce qui s'est passé, si je l'ai remis dans mon sac ou si je l'ai bien mis dans mon sac poubelle. Enfin bon, bref. Mais non, je vous conseille toujours pas. sérum. Perfecteur éclat. Sceau bioéthique. Pour une peau parfaite. Loul. Non. Voilà. Non, ça ne fait rien. Voilà. Ça coûte cher, mais ça ne fait rien. Ah bah, il me reste une éponge Conjac, vous voyez. Il doit dater de loin, mon sac là. Parce que ça fait longtemps que j'arrive pas à en retrouver. Et voilà, j'adore les éponges Conjac pour se nettoyer le visage. Voilà, sous la douche, c'est vraiment le top. Donc, mais je n'arrive plus à en retrouver à Action en ce moment et ça m'ennuie. Et vu que je vais déménager bientôt, ça m'ennuie de passer une commande sur AliExpress vu le temps que ça arrive. Vous comprenez? J'ai peur qu'on perde mon colis. Donc. Je vais attendre, mais j'aimerais bien me racheter voilà, des éponges Conjac. Ensuite, j'ai voulu tester les savons de chez Lidl. Il n'y a pas de code barre là-dessus? Ah, c'était un lot de 2. C'était un lot de 2, donc non, le code barre était sans plastique. Du coup, bah, je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas via Yuka. Je ne sais plus si je l'avais scanné ou pas avant de l'acheter. Enfin bon, bref, il me refallait du savon, donc j'ai pris du savon. Donc là, c'est les miels, ils sentent vraiment bon. Et... c'est pas l'hydratation de ouf, je préfère quand même ceux de d'Aldi. Voilà, là je me gratte encore un peu, j'ai quand même tendance à avoir les jambes sèches. Donc oui, mais voilà, je préfère les Biocura. Voilà, mais ils sentent meilleurs. Ils ont une bonne odeur. Voilà. Et les Biocura, bah c'est limité en senteur. Je jette parce que bah, je mets trop longtemps à l'utiliser et je suis pas fan. Le Face Scrub Kiwi. 41 sur 100. Donc voilà, ça vient de chez Action. Et bah voilà, je ne l'achèterai pas. Voilà. Ensuite, oh, un petit verre. Le Dark Passion chez Famen. Voilà, mon homme m'avait demandé, tu peux m'acheter un gel douche qui sent bon, changer un coup, machin, je lui ai pris ça. Voilà, il était content, mais voilà, comment vous dire. 0 sur 100 sur Yuka, donc voilà, c'est de la merde. J'avais dû avoir ça en promo, je ne sais pas d'où, à moins que, non, c'est l'antivol. Non, ça c'est pas un antivol. C'est juste, ouais, j'ai dû avoir ça en promo, je sais pas où. Mais non, parce que ça coûte cher. Ah bah ça c'est le tube du Sanogil, voilà. Ma poubelle dégueule. Voilà. Ensuite, oh les mains cracra, nom de Dieu. Ensuite, bah je jette un. Pourquoi je le jette celui-là? C'est lui qui. Il est tombé dedans en fait. C'est pas celui-là qui est abîmé. Je le jette pas du tout celui-là. Oh, c'est pas possible. Puis mes enfants, ils aiment bien mettre des trucs dans mon sac. Donc non, je le jette pas celui-là. Et je vous les conseille, c'est les trucs qu'on trouve chez Action pour se sécher les cheveux quand vous avez le temps. Là, ça fait longtemps que je les utilise pas. Encore un Fraise Gaga. Parce que j'ai plus forcément le temps. Mes cheveux sèchent à l'air libre. Ah. Un petit peu de truc de colo, je vais les mettre à la fin. Un autre shampoing, donc là c'est le shampoing solide à la menthe de chez Linaya, que j'aime bien. Voilà, j'aime bien les alterner quand même, mais voilà, mais je perds moins mes cheveux. Je vais pas dire qu'ils poussent, non, pas encore, j'aimerais bien, mais je perds moins mes cheveux et j'aime vraiment bien ces shampoings. Ensuite, j'ai terminé un stick pour les lèvres, Neutrogena, 0 sur 100. Je crois que c'est celui que j'utilise encore.
Oui, j'en ai encore un en stock et c'est celui que je mets tous les soirs et machin et je l'aime bien. Mais bon, voilà, vous voyez, la compo est nulle. Mais au moins, j'ai pas l'impression de me mettre du gras d'animal sur les lèvres. Mais oui, la compo est nulle, donc non, je rachèterai pas quand j'aurai fini le deuxième, du coup. On a été coupé, j'étais trop longue. Donc j'ai retrouvé ça dans mon sac. Et ça, c'est l'élément porte-savon, en fait. Pour que je puisse mettre mes shampoings solides dans ma douche, en fait. Voilà. C'est bien pratique. C'est pas donné. Ben là, vous en avez trois, mais voilà, si j'en ai besoin de plus, ça m'est déjà arrivé d'en commander sur AliExpress. Voilà. Et mon sac est quasi vide. C'est quoi ça? Bah ça c'est le dentifrice Max machin qui est dégueu. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bien d'acheter ça. Il faut pas les acheter. Alors après, niveau colo, je jette un Signo Uniball Broad. C'est écrit Broad. C'est le blanc. Je les aime pas. Je les aime pas. Ça marche quand ça veut marcher. Enfin, j'aime pas. Vous pouvez pas repasser dessus. Ça enlève la ligne d'avant. Enfin. Non, je jette, et d'ailleurs j'en jette un deuxième. Parce que non, c'est du caca. Voilà, c'est du caca. Je ne les aime pas. Je préfère le Jelly Roll en 10. Voilà, je jette. Bah, du coup, j'ai fini mon hybride Ali doré. Voilà, il est vide. On dirait pas, mais si, il est vide. Je l'ai saigné. Et là, je suis en train de saigner le deuxième. Et il va falloir que je me trouve une solution. Parce que bah, je peux pas les avoir à l'unité, il me semble pas. Mais c'est celui que j'utilise le plus. Donc les hybrides. Là c'est Dali. Mais ouais, je suis en train de flinguer le deuxième. Il va falloir que je regarde pour me prendre le Pentel. Si je peux l'avoir à l'unité. Voir ce que je peux faire. Et je jette le glitter gel pen. C'est un d'action ça. Bon bah il est pas vieux. Mais voilà, il fonctionne pas. Donc je jette. Ah non, il marche quand il a envie. Donc c'est pas la peine. Je jette. Voilà. Pour cette vidéo produit terminée, je vais pouvoir aller me laver les mains parce que c'est juste... Oh my god! Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! Let me back to you.